Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu du Toyota HJ 61. Donc là je vais vous parler un petit peu du tour du HJ 61. Donc là on va parler un petit peu de la motorisation et vite fait un petit peu de ses caractéristiques. Au moins vous savez de quoi on va parler. Donc c'est un Toyota Land Cruiser SW HJ 61. Dessus il y a un moteur de 6 cylindres en ligne. De cylindrée, il fait 3980 cm3. Bon, tout le monde l'appelle le 4 litres, mais ça fait exactement 3980 cm3. C'est un moteur avec turbo dessus, avec une pompe injection directe et une cascade par pignon. Il n'y a pas de courroie ou autre dessus. Et il fait 136 chevaux d'in. Donc, après, en longueur, il fait 4,75 m pour une largeur de 1,80 m. Et une hauteur de 1,80 m. Donc ça, ce sont les caractéristiques d'un engin d'origine, non pas trafiqué ou autre. Après, en taille d'origine, en pneus, il est monté en 205 R16 d'origine. Après le poids, il fait 1,985 t. Alors, à savoir dessus, il y a une particularité sur celui-ci. Donc, c'est un moteur qui n'a pas de bougie de préchauffage. Mais quand je dis pas de bougie de préchauffage, il n'y en a pas. Il démarre que la compression. Donc allez, on va visiter un petit peu l'engin. Allez, on va commencer par ce côté. Donc là, comme on peut le voir, il y a la partie des vitres électriques. Pour un engin de 89, c'est déjà pas mal. Donc après, en termes du poste de pilotage, allez, petite minute pub perso. À la prochaine vidéo, je vous montrerai, comme pour le HJ 61, un petit peu le Jeep Cherokee. Celui-ci, c'est un Jeep Cherokee de 2001 en version moteur 6 cylindres à ligne 4 litres. Donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo de celui-ci. Donc pareil, là j'ai monté une petite chaîne pour l'impression 3D. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et puis dans la vidéo, dans un coin là-haut à droite, à gauche, machin. Bon bref, vous verrez. Allez-y, faire un petit tour si vous avez envie. Ben, vous verrez, pour ceux que ça intéresse. Allez, on continue sur le HJ 61. Alors, l'engin, au niveau des compteurs, ici. Voilà. Donc ici, nous avons la pression d'huile, ici la pression de température de chauffe du bloc moteur, la jauge d'essence, la charge des batteries. Ici le contour, ici le kilométrage. Après, ici, nous avons une petite horloge, là, qui en plus est programmable pour avoir une alarme. Ouais, comme quoi, ils avaient tout prévu. Après, au niveau du tableau de bord, ici en dessous, nous avons toute la partie chauffage. Ici, essuie-glace arrière. Ici, comment ça s'appelle? Le dégivrage. Et ici, le bloc des feux. Au niveau des leviers de vitesse. Donc, c'est un 5 vitesses. Ici, nous avons en deux roues motrices. Vers l'arrière, 4 roues motrices. Le neutre. Et plus loin, les 4 courtes. Et ici, moi, j'ai le treuil. Alors, à savoir que moi, c'est un treuil mécanique qui est sur le mien. C'est un treuil mécanique de HDJ 80 que j'ai monté. Je pense que je suis l'un des rares à avoir ça en France. La plupart ont des treuils électriques. De l'autre côté, on ira vite fait, mais une boîte à gants là-bas en dessous, rien de compliqué, une boîte à gants, quoi. Ici, nous avons la partie centrale avec une console. Donc moi, à l'arrière, le mien est toujours équipé pour que je puisse partir en bivouac. Donc il est chargé en permanence. Donc là, c'est pour ça que moi, j'ai les sièges qui sont rabattus. Bon, sinon, la baquette arrière se plie en un seul morceau, comme ceci, et l'autre vient se rabattre par-dessous. Alors, moi, en termes de coffre, je peux garder tout à fait mon système comme j'ai ici monté. Avec la banquette rabattue en 5 places. Mais vu que je suis toujours avec le petit chien, mais forcément, il lui faut de la place au petit. Donc là-bas, j'ai un aménagement pour un lit de 195 par 80 pour dormir. Donc en fin de compte, j'ai des barres qui se rajoutent ici, qui viennent se poser. Toc. Les lames qui se soulèvent ici.
et qui viennent se rabattre tout le long. Voilà, ce qui me permet d'avoir après un matelas. Sauf que le matelas, je ne l'ai pas avec moi. Voilà. Après, en termes d'équipement, je ne vais pas trop détailler, mais bon, tous les gens qui font du bivouac, vous savez comment ça se passe. Hein. On a tous des caisses avec les popotes, les duvets, les machins, et ainsi de suite. Le frigo en permanence l'été. Avec, moi je suis équipé en panneau solaire, ici. En dessous, ici, c'est le Webasto. Pour avoir du 220, alors c'est vraiment pour avoir un truc vite fait au cas où j'ai besoin. Parce que ça ne me permet pas d'avoir un ordinateur de brancher dessus en permanence ou quoi que ce soit. Et après, en parallèle, j'ai la batterie ici en 100 ampères-heure. Et le panneau solaire, lui, il est au-dessus. Voilà, maintenant on va passer de l'autre côté. Donc après, question habitacle, passager, il n'y a rien de compliqué. Hop, une barre pour se tenir et de la merde dans la boîte à gants, comme toutes les boîtes à gants. Allez, maintenant on passe à la partie moteur. Donc comme je vous ai dit, c'est le 12HT moteur turbo. Il n'y a pas grand chose à dire dessus que c'est un moteur fabuleux. Voilà un petit peu le Toyota CJ61. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller se balader un petit peu. Bon ben je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Et pareil, on parlera aussi de celui-là de Jeep Cherokee, c'est un 2.5 TD. Allez, à plus.